Je viens de la filière IDP et pour moi ça a été un choix plutôt évident. Je savais déjà, lorsque je me suis inscrite au concours pour rentrer à l'INP, que je voulais faire cette filière ingénierie de produits, parce que j'ai toujours été passionnée par la conception et la mécanique. Et aujourd'hui je suis ingénieure produit chez Decathlon, donc j'ai trouvé vraiment un métier en totale continuité avec cette formation. ICL déjà parce que c'était un enseignement autour d'un triptyque technique, économique et puis sciences humaines et sociales qu'on n'avait pas l'habitude de retrouver dans d'autres écoles, dans d'autres filières, avec notamment une branche, un caractère sciences humaines qui était beaucoup plus développé qu'ailleurs. Et pour occuper des fonctions managériales, c'était pour moi une vraie plus-value d'avoir ces enseignements-là. J'ai choisi la filière par apprentissage parce que je me sentais déjà assez mature pour intégrer le monde de l'entreprise. Deuxièmement, je trouvais que pouvoir pratiquer ce que l'on apprend à l'école, c'était un concept très pertinent, surtout sur une durée de 3 ans où donc on peut se rendre vraiment compte de sa propre évolution. Here in France, in my master, actually, I had a great opportunity to know people all around the world, to have access to international people and develop this capacity to interact with different cultures. So after this master, I came back to Brazil and I worked a few months in there. And then I was able to go back here in France to keep with this dream of developing my international career. La nouvelle école, elle positionne vraiment le génie industriel comme une des spécialités de Grenoble et comme une des forces de la formation d'ingénieurs à Grenoble. C'est comme ça que la nouvelle école de génie industriel s'est créée autour de l'optimisation de la performance industrielle, selon la formule que l'on a actuellement, mais pour le cycle de vie complet du produit ou du service. C'était une véritable opportunité pour nous, parce qu'autant on était très présent sur le processus de mise à disposition de l'offre, au niveau de la création de l'offre, c'est-à-dire au niveau de la conception, on avait déjà des compétences, mais on pouvait imaginer d'en avoir beaucoup plus. Mais il ne fallait pas trouver n'importe quelle compétence. L'enjeu était de trouver des collègues venant du secteur de la conception mécanique, qui puisse valider la double approche qu'on développait dans cette école, qui est à la fois une approche centrée sur les outils classiques de l'ingénieur, mais aussi sur les outils que nous apportaient les sciences sociales. Ce pari nous a semblé très jouable, et d'autant plus jouable que les industriels qui nous accompagnaient allaient tout à fait dans ce sens-là, parce que l'évolution de l'industrie appelait tout ça. C'est-à-dire que la vision intégrative, aussi bien des phénomènes touchant la technologie que l'organisation, était de plus en plus prégnante et de plus en plus stratégique pour les entreprises. Donc ça a été l'apport de toute une équipe très très dynamique, très soudée de l'ancien HMG, Hydraulique et Mécanique de Grenoble, qui est arrivé, qui a apporté de nouvelles compétences et surtout la plateforme Ginova qui a amené une diversité de formations et une vision du cycle de vie complète, je dirais. C'est-à-dire que grâce à cette nouvelle organisation, on a été de la conception jusqu'à complètement la fin de cycle du produit, en passant bien sûr par le manufacturing, en passant par la production, la logistique, etc. Donc ça a été une vraie révolution. Vous le savez, mercredi, c'est jour de science sur France 3 Alpes. Cette semaine, on va partir à la découverte d'une machine de fusion par faisceau d'électrons, une sorte d'imprimante en 3D, mais ultra sophistiquée. L'appareil sera inauguré la semaine prochaine à Grenoble. C'est une première en France dans un laboratoire universitaire. Une première qui pourrait bien révolutionner l'industrie de pointe. Les explications de Xavier Schmitt et Nathalie Rapuc. Sur cet écran, derrière moi, vous découvrez une technologie révolutionnaire, la fabrication additive. C'est la première machine du genre installée en France dans un laboratoire universitaire. Une machine a devancé le temps. Elle fabrique des pièces métalliques avec une technologie d'avant-garde, la fusion par faisceau d'électrons. Le métal, ici du titane, est porté à 1600 degrés, mais surtout il est travaillé sous forme de poudre. Il va prendre forme couche après couche en ajoutant de la matière. Elle permet surtout par soudure de particules, par fusion de particules, de monter une pièce. Donc c'est pour ça qu'on parle de fabrication additive. Le gros avantage effectivement du faisceau d'électrons, c'est la puissance. Hein, c'est à peu près 10 fois plus puissant que les plus puissantes machines laser.
La recherche sur les systèmes de production s'est fortement développée dans le laboratoire Gilco, le pôle conception intégrée du laboratoire 3S, les équipes productiques du laboratoire d'automatique de Grenoble et enfin les équipes recherche opérationnelle du laboratoire Leibniz. Gescope est fortement pluridisciplinaire, génie mécanique, recherche opérationnelle, optimisation combinatoire, automatique des systèmes à événements discrets. Grâce à cette couverture pluridisciplinaire, il couvre toutes les phases du cycle de vie, de la conception au recyclage, en passant par la production, la distribution. Gescope est devenue la plus grosse unité de recherche française sur les systèmes de production et la seule unité mixte de recherche du CNRS dans ce domaine. Alors, comment vivre l'alternance ? En fait, l'adaptation se fait très naturellement. Moi, je trouvais que le rythme 2 mois école, 2 mois entreprise était vraiment adapté. Les apprentis, c'est des profils d'étudiants qui sont extrêmement motivés. On trouve des techniques pour pouvoir rattraper, entre guillemets, ce temps où ils ne sont pas en face à face avec les profs, au travers des REX, des retours d'expérience, qui permettent de faire court au travers des expériences qu'ils vivent en entreprise sur le terrain. Donc on les force à analyser certaines thématiques du génie industriel. Et ces outils de REX, finalement, sont extrêmement puissants, puisqu'ils arrivent à couvrir de nombreux cas d'études. Le groupe des 20 étudiants s'enrichit en fait des cas étudiés chez les uns et chez les autres. J'ai apprécié aussi la possibilité de faire mon double cursus en design industriel avec l'ANSI Les Ateliers, qui était basé à l'époque au CEA de Grenoble. C'est vraiment ce profil ingénieur-designer qui m'a aidé à trouver mon premier emploi. Et c'est encore aujourd'hui un profil qui est très recherché chez Decathlon. Donc je remercie l'école. Alors des souvenirs de l'école, déjà une vie étudiante très riche avec des événements à génie industriel tels que les week-ends d'intégration, les événements sportifs du bureau des sports. Je ne peux pas oublier de mentionner le gala aussi de génie industriel qui est un événement phare et auquel j'avais pu participer en tant que membre de l'organisation du gala de génie industriel. Ensuite, je pourrais aussi citer quelques hauts lieux de la vie nocturne, on va dire, grenobloise et où les génies industriels avaient plaisir à se retrouver, tels que le Chamois d'Or, les Frères Bertom, voilà, c'est des noms qui parleront à certains. If I could give an advice in just one word, it would be networking. Knowing people is the best way to keep the doors open for an international career. Moi, je garde de super bons souvenirs de mon expérience GI, car pour moi, c'était la petite famille. Tout le monde connaissait tout le monde, et c'est pas que pour la promo IPID, mais aussi pour la formation initiale. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai encore beaucoup de contacts de la promotion initiale, donc c'était la petite famille. Bonjour et bienvenue dans cette deuxième table ronde des 30 ans de génie industriel. Après une première autour du processus de conception face à la transformation des attentes environnementales et sociétales, aujourd'hui nous allons traiter de la logistique et de la supply chain de demain. Et pour cela, nous avons trois industriels partenaires de l'école, parce qu'ils font tous les trois partie du club des industriels de l'école au niveau de notre partenariat. Et deux enseignants-chercheurs que l'on va présenter tout de suite. Donc, avant de commencer, je vais vous proposer de vous présenter. Donc, Stéphane. Merci Fabien. Écoute, ça me fait plaisir d'être là 28 ans après dans l'amphi où j'ai reçu mon diplôme. Bon, ça ne nous rajeunit pas. Donc moi, je suis Stéphane Carpentry. Je suis sorti de la promotion de génie industriel de 1993. Et après 10 mois de service national qui existait encore à l'époque, j'ai fait toute ma carrière dans le groupe FM Logistique. Comme son nom l'indique, un groupe de transport et de logistique qui compte 30 000 personnes dans 14 pays. Et actuellement, je suis en charge de la stratégie du groupe et des activités de la zone Asie. Martha. Donc, Martha Rubio, moi, j'appartiens à la promo 2002 des génies industriels. J'ai fait un échange Erasmus avec un double diplôme avec l'École Polytechnique de Madrid.
Je commençais ma carrière dans les conseils, notamment chez Accenture et après dans d'autres petites sociétés françaises. Et depuis 2012, je suis chez bioMérieux, où j'ai occupé plusieurs postes dans la supply chain. Et aujourd'hui, je suis en charge de la supply au niveau de l'Europe du Nord, donc basé à Bruxelles. Merci. Nathanaël. Voilà, donc Nathanaël Barbier. Donc moi, je suis la promo 95, donc on était à la troisième promo. Et donc, on s'est croisés dans les couloirs. Donc moi, j'ai fait après quelques années en Allemagne, j'ai fait presque voilà, toute ma carrière à HP, donc fabricant de PC et d'imprimantes. Donc une quinzaine d'années dans la supply chain avec différentes fonctions opérationnelles. Et puis après, je suis parti sur des fonctions plus commerciales où j'ai été à un moment donné l'assistant du DG d'HP Europe. Et puis maintenant, je suis dans le marketing produit puisque je suis responsable mondial de tout ce qui est produit sur les services liés à nos PC. D'accord. Raïaël. Oui, donc, bonjour à tous. Raïaël Joly, moi, je suis enseignant-chercheur à génie industriel. Enseignant donc ici en économie et statistique et chercheur dans le laboratoire d'économie appliquée de Grenoble, le GAEL. Je vais beaucoup utiliser moi, les outils d'IA, d'intelligence artificielle et de machine learning pour étudier aussi bien la consommation et les comportements de consommation appliqués aussi en transport. J'ai beaucoup étudié les choix de mode de transport et aussi les choix de consommation de produits qui ont un caractère ou innovant ou plutôt durable. Donc, essayer de voir comment les individus vont avoir une sorte de consentement à payer finalement pour ces caractéristiques particulières. Et je regarde aussi, depuis que je suis à génie industriel, comment ces outils-là sont intégrés dans les processus de la supply chain, notamment pour essayer de piloter les supply chain et voir leur efficacité et leur performance. J'ai beaucoup étudié la survie des entreprises typiquement, ou leur constitution de réputation, des éléments comme ça, difficilement mesurables habituellement dans des outils quantitatifs. Je suis aussi responsable de la filière ingénierie de la chaîne logistique. Merci. Et donc, moi-même, Fambien Mangione, je suis enseignant-chercheur à Grenoble INP Génie Industriel. Je suis rattaché au laboratoire GESCOP et moi, je m'attache plus particulièrement aux techniques, outils et méthodes de planification de la chaîne logistique et de la production, notamment. Voilà. Donc, sans faire un cours d'histoire de la logistique, on peut remarquer que cette dernière s'est profondément transformée à partir des années 80. Avec notamment la prise de conscience de son rôle en tant que processus clé, dans la réussite de l'entreprise. Et c'est notamment dans ce contexte qu'est né Génie Industriel. Et c'est aussi à cette période que le terme supply chain s'est vraiment développé avec pour objectif de coordonner l'ensemble des métiers des acteurs du flux de produits et d'informations. Alors, les puristes m'excuseront, mais j'utiliserai un peu les deux termes dans le même sens au cours de ce webinaire. J'en suis désolé par avance. Depuis cette époque, il y a eu plusieurs typologies, plusieurs grandes tendances de développement liées notamment à des situations économiques et internationales qui ont beaucoup évolué. Donc, ma première question serait sur... les caractéristiques de la logistique en 2021 et les grandes tendances des prochaines années. Donc, Martha, vous êtes dans un secteur dont on a beaucoup parlé ces derniers mois. Ressentait-on déjà des tendances avant et est-ce que les événements de ces deux dernières années ont fait évoluer dans un sens ou dans l'autre le statut de la logistique ? Oui, en fait, effectivement, ces dernières années, je pense ces derniers mois, comme tu disais, ça a été un facteur d'accélération massif. Mais même avant, on voyait déjà que nos clients ne se contentent plus d'une livraison qui est entière et dans le temps. On nous demande beaucoup plus, on nous demande presque de faire partie de l'air supply, de s'intégrer et de garder cette continuité. Donc, les clients vont avoir... sa réception, son utilisation de produits et finalement ses déchets. Et on nous demande de s'intégrer, de faire partie de cette entrée, par exemple, en stock où les clients vont nous demander de palettiser ses produits d'une manière déterminée puisque ça va l'aider à lui à ne pas devoir ajouter des activités qui n'ont pas de valeur et qui vont lui permettre d'accélérer ses flux. Où ils vont même nous demander, quand on fait des livraisons, de récupérer tout ce qui est packaging que l'on utilise pour protéger nos produits ou pour les transporter. Bah, finalement, ils ne veulent plus devoir se responsabiliser de cette partie-là. Ils comprennent où ils nous demandent en fait, de prendre responsabilité de cette gestion des déchets. Du coup, on s'intègre de plus en plus et on devient
je pense, de plus en plus acteurs aussi de la supply de nos propres clients. Ok, merci. Donc Nathanaël, vous aussi, vous faites partie d'un environnement dont la situation a été complètement bouleversée ces derniers mois, puisqu'on a beaucoup entendu parler dans les médias notamment, alors pas forcément dans votre structure, mais d'autres entreprises dont des ateliers ont dû être fermés dû à des ruptures d'approvisionnement. Donc on est vraiment dans un problème supply chain global. Qu'est-ce que vous percevez, vous, de cette transformation dans votre structure ? Donc effectivement, comme disait Martha, bon, là, l'évolution sans cesse du client, voilà, la supply chain, elle est là pour répondre aux besoins du client. Donc plus le client bouge et plus on doit bouger. Après, il y a d'autres tendances de fond, je dirais tout ce qui est géopolitique. On a eu un peu tendance à oublier que le monde avait des frontières. Et récemment, voilà, des notions comme le Brexit. Voilà, le Brexit a un impact énorme sur la supply chain. La Chine et les États-Unis remettent en place des tarifs douaniers. Voilà, ça bouleverse forcément un écosystème. Donc ça, c'est les systèmes de régulation, donc c'est une force. L'arrivée de l'environnement, donc on a terminé la COP21 il y a quelques semaines. Donc ça aussi, dans la supply chain, c'est une tendance de fond qui a des impacts énormes. Tout ce qui est nouvelles technologies. Voilà, donc là, tu parlais de big data. Donc ça aussi, c'est des choses. Et puis voilà, ce que tu disais aussi, Fabien, effectivement, donc avec le Covid... Donc nous, on est sur une industrie où il y a des composants électroniques qui étaient déjà sur une certaine tension liée à l'explosion de la consommation des puces. Et puis voilà, les usines se sont fermées il y a un peu moins de 2 ans. Donc ça a commencé, en fait, c'était le nouvel an chinois. Et puis sauf qu'après le nouvel an chinois, tout s'est complètement arrêté. Et puis après, ce qui s'est passé, c'est que plus personne n'a consommé pendant quelques mois. Et puis d'un seul coup, nous, sur le marché du PC, on a tout ce monde a découvert Zoom, Skype, Teams. Donc on a eu une demande du PC qui a complètement explosé. Et donc comme la supply chain, c'est des histoires d'équilibrage, et voilà, une compression de la demande, une compression de la supply et des usines, une hausse de la demande, fait que là, 18 mois après, on est toujours sur des phénomènes de vagues et d'absorption d'un choc. Donc ce que je dirais, la dernière tendance, c'est cette notion de résilience supply chain qui était très conceptuelle. Il y a 2-3 ans, on en parlait, voilà, comme ça. Il y avait des cours, sûrement peut-être en génie industriel. Mais maintenant, ce n'est pas du tout conceptuel. C'est une réalité pour nous industriels, effectivement. Oui, ça me fait penser au petit jeu d'introduction de la supply chain très connu, fameux Beer Game, voilà. Qu'on va pouvoir renommer à COVID partir game, de cette année de Covid Game dans le secteur de la microélectronique. Donc, c'est un jeu qui a pour but de montrer un peu effectivement cet effet papillon et de grandes variations au fur et à mesure de la supply. Okay. Au niveau de FM Logistique, qui est un acteur majeur de la logistique au niveau mondial, Stéphane, pouvez-vous nous éclairer aussi sur ce que vous percevez et quelles sont les grandes tendances et comment votre société se structure pour y faire face ? Alors je rejoins Nathanaël sur les tendances qu'il a citées, la technologie, l'automatisation, la digitalisation, le développement durable. Et effectivement, la résilience maintenant de la supply chain est au cœur des organisations et des réflexions des grands groupes. L'un des seuls effets positifs de la crise Covid, c'est que ça a remis en avant la logistique et la supply chain au cœur des entreprises et même, je dirais, lui a donné une visibilité au grand public. Est-ce que quand vous n'avez plus de logistique, vous n'avez plus de produits dans les magasins? Soit ça, on ne s'en apercevait pas avant. Je pense que le public, ou en tout cas les pouvoirs publics, en ont pris conscience. Donc, le Covid et cette notion de résilience ont probablement mis fin à quelques dogmes, le juste à temps, zéro stock en particulier, et probablement également le mono-sourcing, donc le dogme d'avoir un seul fournisseur mondial pour un composant, je pense, a pris un peu de plomb dans l'aile. Je vais développer ici juste une autre tendance qui est l'explosion du e-commerce et des flux B2C.
qui a été bien évidemment accéléré par le Covid, mais il n'y aura pas de retour en arrière. Et globalement, quand on regarde ce qui se passe en Chine, certains produits de grande consommation, hein, y compris des shampoings, c'est déjà pratiquement 50% des volumes qui sont vendus en e-commerce, là où on est encore à moins de 10 en France. Donc là, l'évolution est encore devant nous. Ça a des impacts lourds sur les process entrepôts, bien évidemment, puisque la charge de travail pour expédier une unité en e-commerce est beaucoup plus importante que pour expédier un colis dans un magasin. Donc ça amène l'automatisation des process entrepôts. Je pense qu'on en parlera, après. Mais le mouvement majeur est au niveau du transport et en particulier du transport urbain. Vous avez une multiplication des livraisons aux consommateurs finaux dans les villes. En parallèle, sauf à Paris, vous avez encore un mouvement d'urbanisation, donc la population des villes qui augmente. Les contraintes environnementales qui sont de plus en plus fortes, les zones à faible émission, l'habitant qui veut plus de pollution, qui veut plus de bruit, etc. Donc on arrive à une contradiction majeure avec des flux qui augmentent dans les villes et des contraintes qui sont de plus en plus fortes. Donc là, c'est le rôle des logisticiens comme nous, des transporteurs, d'essayer d'amener des solutions. La première est vraiment l'optimisation des flux, la massification des flux. Donc ça passe par exemple par la mise en place de petits entrepôts au plus proche des consommateurs, plutôt que d'avoir des entrepôts à 50 km, on met des petits entrepôts à côté de la ville et à partir de là, on peut aller avec des moyens propres, électriques, vers le consommateur. Ça passe par des concepts comme les city corners qu'on va tester chez FM Logistique. Donc c'est des endroits automatisés en ville avec température contrôlée où tu peux venir aller chercher tes courses sur ton chemin de vie au lieu d'aller faire toi, au lieu que quelqu'un vienne chez toi amener les produits. Mais je pense que ça suffira pas et ça passera probablement également par des politiques publiques plus fortes. À nouveau pour avoir des vrais plans logistiques directeurs dans les villes et pour intégrer la logistique dans les villes, toujours avec cet objectif d'optimisation et de massification des flux. Okay. Merci. Effectivement, comme vous l'avez dit, l'intégration des nouvelles technologies et des nouveaux systèmes d'automatisation ou de robotisation, on en a beaucoup parlé dans le milieu industriel, hein, on utilise beaucoup le terminologie industrie 4.0, industrie du futur, on parle même de quatrième révolution industrielle, et forcément ça intervient dans les processus logistiques, donc notamment avec les outils d'intelligence artificielle, on parle aussi beaucoup de blockchain, comme un des outils permettant de réguler la supply chain. Donc, Iragaël, toi, dans ton activité de recherche, tu travailles sur l'intelligence artificielle comme objet d'étude en tant que levier de la performance des systèmes logistiques. Quels sont, pour toi, et d'après l'état de la recherche actuelle, les impacts que ça a sur la chaîne de valeur dans sa globalité, puisque maintenant, on parle même plus forcément de supply chain, mais de value chain pour essayer d'intégrer tous les acteurs. Non, je souris parce que le sujet est très vaste, je pourrais faire un cours de 3 heures sur ça, donc je vais me contenter juste de d'essayer d'identifier quelques points que je trouve plus saillants que les autres, peut-être, et puis aussi quelques-uns des points d'attention ou points de vigilance sur ces enjeux. Ce qui me frappe et ce qu'on retrouve là dans les discussions que vous avez, la transversalité des enjeux, c'est justement cette idée que les technologies vont permettre de mettre en œuvre, d'être présent et d'avoir un contrôle un peu tout le long de la supply chain. C'est ce qu'on entend aussi bien, de bien comprendre le client, bien voir les différents acteurs de cette supply chain, et je crois que les nouvelles technos, elles nous ont permis ça de façon plus forte que précédemment. La digitalisation, d'une part, cette possibilité de communiquer de l'information, c'est une des premières clés pour avoir un bon suivi des supply chains, et derrière, on arrive aussi à récupérer de la donnée. Et c'est là où, en fait, les nouvelles technologies vont permettre de mettre en œuvre des choses qui étaient relativement cloisonnées jusqu'à présent. L'analyse, on va dire, statistique, pour retrouver un vieux terme décrivant ces méthodes-là, à côté de, maintenant, les technologies
technologies digitales et numériques qui permettent le recueil. Cette mise en orchestration est juste un levier assez extraordinaire pour la performance, puisqu'on arrive maintenant à mettre des algorithmes d'optimisation anciennement dans la famille de recherche opérationnelle. Et là, on commence à avoir en fait une forte porosité qui se fait entre tous ces domaines. Moi, c'est ce qui me plaît dans la proposition de travail à génie industriel, c'est justement de pouvoir être dans ces interfaces. Et je crois que c'est là la capacité de ces technos, c'est de proposer de l'interface et un meilleur contrôle tout le long de la supply chain. Alors ça a aussi quelques enjeux que je retrouve en tant qu'économiste, c'est qu'on a des choix de standards à adopter. C'est lorsqu'on va discuter de données qui sont des images ou du son ou des données quantifiées de quantité de rebut et de quantité de produits. On n'a pas du tout les mêmes types d'algorithmes, les mêmes types de compétences derrière ça. Et ce n'est pas les mêmes familles, on va dire, de chercheurs et d'ingénieurs qui sont adossés à cela. Donc on va avoir ici des vrais enjeux de mise en communication des technos entre elles. Et ça, je crois qu'on le voit assez clairement apparaître. Derrière sont aussi des enjeux de cette industrie, des outils de l'IA, où on a des grands opérateurs qui essayent d'imposer des standards de techno, de logiciels, de langage informatique. Et c'est là où on va retrouver un certain nombre de frontières qui peuvent devenir des freins, finalement, pour la mise en œuvre de cette transversalité dans les supply chains. J'ai aussi une question aussi assez classique, on va dire, pour le chercheur en sciences humaines que je suis, c'est l'humain dans tout ça, comment on s'assure qu'il est en effet bien respecté, bien servi. Ça, c'est évidemment le vœu de tout le monde, c'est de réussir à mieux servir le client, permettre de meilleures conditions de travail des opérateurs, ça, c'est le côté très positif de l'ensemble, mais il y a aussi toutes les notions autour de la protection des données, de la sécurité des données, de la qualité des données qu'on a, et puis le droit de regard que les différents acteurs, aussi bien citoyens que consommateurs ou opérateurs vont avoir sur ces datas. Je pense que là, c'est quelque chose qui, avec le Covid, a été accéléré, cette diffusion des technos dans nos vies et les supply chains. Je pense que maintenant, il y a une prise de recul aussi à avoir, et c'est ce qu'on voit se faire autour de différents mouvements dans nos sociétés. Je voudrais juste réagir par rapport à ce que tu dis, parce qu'on est chez Biomerio, on est en train de se poser énormément de questions justement par rapport à ce que tu dis, ces partages de données, puisque finalement, à la supply, on avait nos propres données, on avait nos forecasts, on avait nos données des rebuts, on avait nos données des productions, et finalement, on avait un set de données qui habitait en parallèle avec d'autres données financières, avec d'autres données d'autres départements. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on ne peut plus vivre avec ces types de données différentes où on ne parle même pas le même langage. Donc, je trouve vraiment très intéressant. Effectivement, c'est une réalité que nous, au moins, on vit en ce moment, de se dire comment on arrive à avoir un set de données qui soit compréhensible, qui soit partageable, si on peut dire comme ça, et qui nous, finalement, nous réunissent tous, parce que, et je rejoins ce qu'il disait tout à l'heure Stéphane, parce que finalement, la supply n'est plus juste la supply. La supply, elle est au cœur de tout et tous les métiers finalement interagissent à une étape ou à une autre avec la supply, et je trouve ça, cette partie-là, vraiment très importante, et pour nous au moins, je ne pense pas qu'on soit en retard, mais pour nous au moins, ça nous a vraiment ouvert les yeux, les besoins de partager ces informations et de tous s'aligner autour de cette unique des données. Et puis, juste avant, ça me fait penser que quand même, il y a un acteur majeur qui a transformé le monde de la supply quand même ces dernières années. On ne peut pas ne pas en parler, qui est Amazon. Hein. C'est d'ailleurs souvent pour ça qu'on transforme le terme supply chain en value chain, puisque son rôle n'est même plus de transporter des produits physiques. Hein. Il n'y a que de l'information et... Et avec cette information qu'il pilote, qu'il manage, qu'il enregistre, pour lesquelles il utilise les outils d'intelligence artificielle, il capte de la valeur. Est-ce qu'il en crée, c'est une question, mais en tout cas, il en capte, c'est indéniable. Et donc, justement, Stéphane, dans le cadre de FM Logistique, alors vous n'êtes pas actuellement sur les mêmes domaines qu'un tel opérateur. Mais vous, je sais que vous avez développé un service innovation depuis plusieurs années, avec notamment l'objectif de déployer ces nouvelles technologies, qu'elles soient digitales ou des technologies plus physiques, hein, que ce soit les cobots, l'impression 3D, et tout ce qui ne se faisait pas il y a encore 15 ans.
Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu la stratégie de FM Logistique sur ces thèmes et les dernières innovations que vous avez réussi à déployer ? Oui, alors la data, juste pour revenir sur la data, qui est un élément aussi clé de notre stratégie innovation, je rejoins ce qui a été dit par Martha, c'est au clé de notre métier. C'est l'élément de base des optimisations de process logistiques. Hein. Juste donner un exemple de ce qu'on peut faire en Inde. On gère une tour de contrôle, donc tower control, pour un des partenaires de l'école qui est Caterpillar. Donc, ils ont plusieurs milliers de fournisseurs en Inde et trois usines. L'Inde est un sous-continent. Donc, nous, tout notre travail est d'aller récupérer, entre guillemets, les pièces de chez milliers de fournisseurs pour les ramener dans ces trois usines sans arrêter les usines. Et donc, de trouver les meilleures routes possibles, les meilleurs chemins, les meilleures optimisations pour diminuer en permanence, optimiser le transport, diminuer le coût, diminuer l'empreinte carbone. Et ça se fait avec les outils informatiques, avec la collection de data. En plus, les camions ont des GPS, donc vous connaissez leur position en temps réel. Donc ça demande de la data, ça demande des algorithmes, ça demande de l'intelligence, des ingénieurs pour faire ça. C'est plus juste le transporteur d'il y a 20 ou 30 ans. Donc bien évidemment, la data, le digital, la digitalisation du transport, de l'entreposage est aux clés de notre stratégie de transformation. Derrière, comme je disais tout à l'heure, l'automatisation et la robotisation sont de plus en plus importants pour plusieurs raisons. Comme je disais, un, les flux B2C, vous préparez des unités, c'est beaucoup plus complexe. Donc pour passer tous ces flux à un moment, il faut automatiser, il faut robotiser, tout simplement parce que sinon vous ne passez pas les volumes. Il y a un deuxième facteur qui est aussi important et qui va pousser à l'automatisation, c'est le manque de main-d'œuvre. En Europe et dans d'autres pays du monde, vous avez un problème de main-d'œuvre, vous ne trouvez plus la main-d'œuvre. Donc sur du moyen terme, ça poussera, heureusement ou malheureusement, hein, ça c'est un autre débat, mais à l'automatisation et à la robotisation. Et donc, ça, on a des équipes d'ingénieurs en permanence. On travaille avec des fournisseurs quasi intégrés dans l'entreprise pour mettre en place ces nouveaux processus de préparation de commandes. Un élément clé de notre processus aussi d'innovation, c'est tout ce qui touche autour du développement durable. On n'a pas le choix. Le transport est un contributeur de CO2. Donc on doit, nous, de plus en plus avoir des processus de plus en plus efficients et moins intenses en émissions de CO2. Donc on mène des recherches, par exemple, autour de l'hydrogène vert. Donc pour produire de l'hydrogène avec les panneaux solaires installés sur nos entrepôts, et cet hydrogène, donc par définition vert, pourra être utilisé dans les chariots de nos entrepôts ou dans les petites camionnettes qui vont faire la livraison. On travaille également sur tous les processus omnicanal. Donc je parlais du B2C, donc je parlais du concept de City Corner. On va en tester quelques-uns. Ces petits points de collecte automatisés, multi-température, qui permettent d'éviter cette livraison du dernier kilomètre qui est extrêmement consommatrice de pollution, de désoptimisation de la logistique. Pour qu'à côté de vous, sur votre chemin de travail, etc., vous puissiez vous-même aller chercher vos produits, vos commandes, plutôt que quelqu'un vienne vous les amener. Donc on mène un certain nombre de tests et de pilotes autour de ces domaines du B2C et de l'omnicanal. Ok, merci. Donc au niveau d'HP, qui est un environnement aussi fortement complexe, mais d'après ce que vous dites déjà, la supply chain, c'est beaucoup de gestion de la complexité. Donc vous avez un nombre pharaonique de références à gérer avec des flux internationaux et toutes les difficultés qui en découlent. Nathanaël, vous en avez parlé juste un peu avant. Donc au niveau de la recherche, on parle beaucoup effectivement de l'intelligence artificielle et notamment des blockchains comme des opportunités à saisir pour manager cette complexité. Quel est votre point de vue au niveau industriel par rapport à toutes ces nouvelles technologies ? Donc voilà, effectivement, la data, c'est le nouveau pétrole, on va dire, du 19e siècle. Tout était basé sur le pétrole, maintenant c'est des 0 et des 1. Donc, non, mais par contre, c'est des vraies réalités.
Voilà, pour revenir un petit peu ce que tu fais, donc nous, aujourd'hui, la data, elle est très côté client, sur justement comment je vais l'utiliser pour du comportement de consommateur, avec des notions toutes simples de gestion de prix, par exemple. Voilà, qu'est-ce qui se passe on a un terme qui s'appelle la pricing elasticity. Donc, quand j'augmente mes prix, comment le consommateur va réagir? Et de là, cette information consommateur, comment on la ramène sur une notion de planification? Voilà, donc le predictive analytics en anglais, c'est comme ça, quand je récupère des milliers d'informations, soit des consommateurs directs, puisqu'ils sont sur des sites internet, donc je sais combien de temps ils passent sur la recherche d'informations, ou sur nos canaux de distribution avec des milliers de revendeurs. Et quand on agrège cette notion, et après qu'on utilise ça pour pouvoir, on va dire, pas faire des meilleures planifications, parce qu'on se trompe toujours, mais voilà, sur des gestions de risques, mieux gérer la magnitude de combien on va se tromper. Donc ça, c'est des vraies réalités de predictive analytics. Après, il y a aussi la notion d'intégration du maillage des fournisseurs et des usines. Voilà, c'est comment je vais récupérer une information qui est standardisée. Voilà, c'est un petit peu ce que tu disais. Et puis, la notion de temps réel. Voilà, tu parlais de tes camions qui ont des GPS. Voilà, moi, quand j'ai commencé, on était sur des batchs journaliers. Ah, mais maintenant, la notion de batch journalier, ça n'existe plus, quoi. C'est que du phénomène de temps réel. Donc ça, c'est de l'intégration à l'extérieur. Et puis après aussi, on parle voilà, de toutes les nouvelles technologies, mais il ne faut pas oublier aussi que les entreprises, elles ont une histoire. Et à l'intérieur d'elles-mêmes, elles sont encore très archaïques sur certains nouveaux, sur certaines choses. Et effectivement, on a encore des systèmes qui sont hétérogènes à l'intérieur d'une entreprise. Voilà, donc aujourd'hui, dans la partie technologie, on a aussi... Une dimension, c'est comment, à l'intérieur de mon entreprise, j'arrive à rationaliser, à homogénéiser mes systèmes. Et c'est la fameuse notion de digital, voilà, qui est un concept, mais derrière, ça veut simplement dire que c'est l'entreprise qui va essayer de simplifier ses processus opératoires. Et le rêve de tout PDG, c'est d'avoir un seul système qui va piloter sa tour de contrôle quand il fait son conseil d'administration jusqu'à l'opérateur. Donc, tu prenais l'exemple... en Inde, voilà, l'opérateur, on sait qu'il fait telle tâche pendant 10 minutes. Quoi. Voilà. Donc ça n'existe pas, bien sûr, parce que le PDG n'a pas ce système-là. Mais pas par contre... Encore. Pas encore. Et il ne l'aura jamais, puisqu'à partir du... C'est tout simple. Hein. Les technologies vont plus vite que la mise en place. Donc je décide maintenant de mettre en place quelque chose. Je vais mettre 3 ans pour le mettre en place, mais il y aura une nouvelle technologie. Donc je serai déjà en retard. Voilà. Après, effectivement, alors, les blockchains, ça c'est chez nous, là, c'est... Ouais, on en parle, mais je n'ai pas encore vu des choses très, 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 très concrètes. Par contre, on en parle, donc c'est le démarrage. Voilà. Okay. Martha. Martha, au niveau du milieu pharmaceutique, qui est un milieu bien particulier, oui. quels sont les grands enjeux et les grandes orientations que vous avez engagées au sein de votre structure ? Alors, je pense effectivement qu'il y a une grande partie de ce qui a été discuté, donc une grande partie de l'harmonisation de des data. Il y a une partie aussi qui, je pense, qui est très importante et qui est en lien, c'est comment nous, humains, et on se souriait avec Stéphane, mais comment nous, humains, rentrons dans tous ces changements, dans toute cette évolution. Donc, on est effectivement, on est dans un milieu, donc nous, on est dans les diagnostics, mais on a des contraintes communes. On a effectivement énormément de contraintes par rapport à la traçabilité, énormément de contraintes par rapport au transport à température contrôlée. Il faut qu'on garde vraiment tous les contrôles sur toutes les étapes de la supply. Donc, ça, c'est vraiment... une des parties qui nous occupe le plus, puisque c'est au cœur de notre métier. Mais effectivement, si cet outil un jour arrive à apparaître, à être développé, on sera preneur. Je ne pense pas que ça va se produire, et je pense qu'heureusement aussi. Mais on est vraiment au cœur de ça. La supply reste quand même une vision globale qui est faite quand même de tout petits détails, de toutes petites étapes où il faut vraiment faire attention à chacune des choses qu'on fait, donc les fameux opérateurs à Nantes. Mais donc nous, on est, c'est une de nos tendances principales. En fait, il faut, les choses avancent très vite, les choses évoluent très vite, mais il ne faut pas qu'on perde de vue en fait, ces choses qui sont importantes à l'intérieur et qui font que nos produits gardent ces caractéristiques et autres. Il faut vraiment faire attention à ça. Et il y a un autre point aussi qui est important, et je pense qu'on l'évoquera peut-être tout à l'heure. On parlait de l'humain. Et on se rend compte aussi qu'il faut qu'on s'adapte en permanence. Donc, on n'est plus à la supply, on n'est plus
l'ingénieur qui vient d'une école d'ingénieur qui est techniquement est irréprochable. À la supply, on est les gars qui sait tout faire. Et les gars qui, quand tu as un problème, viennent t'écouter et viennent réfléchir avec toi sur comment ça sort et comment on arrive à livrer ses clients, comment on arrive à faire en sorte que finalement, ça avance. Et je pense que ça, c'est un sujet aussi qu'on allait évoquer. Mais pour nous, en fait, il y a ces deux tendances. Il y a une tendance donnée, exploitons au maximum et essayons de planifier et d'être capable de prévoir au maximum ce qui va se passer. Et de l'autre côté, gardons la flexibilité humaine, gardons, recrutons, cherchons ces gens qui finalement ne sont experts en rien, si je peux me permettre de parler comme ça, mais qui savent s'adapter en permanence et se remettre en question en permanence et chercher en permanence ce qui va permettre d'avancer. Voilà, je dirais ça, c'est une grande tendance du moment. Donc oui, effectivement, la transition est toute faite puisque avec ces nouvelles technologies, ces nouveaux enjeux, cette complexité qui ne fait que croître hein, finalement depuis les années 70-80 où tout semblait a posteriori plus simple, même si à l'époque, je ne suis pas sûr qu'ils disaient que leur travail était vraiment simple. Mais donc, sur ces compétences, justement, on s'aperçoit qu'elles doivent évoluer, elles doivent rentrer à la fois sur de la technique, mais aussi garder ce côté humain. Stéphane, pouvez-vous nous faire un petit point sur ce que ça engendre, sur les métiers chez FM Logistique, notamment? Alors, pas loin de 30 ans, quand j'étais sur les bancs de l'école, en cours de gestion de projet, on nous expliquait que 80% des problématiques qu'on pouvait rencontrer dans un projet étaient d'ordre humain. Mon analyse, c'est que 30 ans après, c'est toujours la même chose. C'est que quand vous avez des problèmes dans un projet, des choses qui ne se passent pas bien, à 80%, c'est des problèmes d'ordre humain. C'est la technologie, la partie bâtiment, etc. En général, c'est bien maîtrisé. Mais et ce qui est plutôt rassurant, c'est que l'humain reste au cœur des préoccupations de toute entreprise. Ces évolutions technologiques, ces évolutions de process dont on vient de parler, ont un impact extrêmement important, effectivement, dans les organisations. Alors nous, déjà, logisticiens, transporteurs, on subit un vrai, j'en parlais tout à l'heure, mais une vraie problématique de difficultés de recrutement, hein, mais que ce soit des caristes aux managers, aux patrons de site, aux ingénieurs, etc. Hein, enfin, c'est le goulot d'étranglement et la clé de succès de notre croissance qui est importante, c'est ça. C'est la capacité à former, à recruter des hommes et des femmes, que ce soit à nouveau des charistes ou des managers. C'est vraiment l'enjeu numéro un. Ça passe également par la formation interne. On doit en permanence former nos équipes, les adapter à ces changements. Donc la formation est un élément extrêmement, extrêmement important. Et troisième point, il y a des nouveaux métiers qui apparaissent dans nos entreprises. Hein. On peut dire qu'on est transporteur, logisticien, mais on recrute de plus en plus d'ingénieurs de données, d'ingénieurs énergétiques pour optimiser les énergies, que ce soit dans nos entrepôts, dans le transport, d'ingénieurs pour faire des algorithmes d'optimisation des tournées de transport. Donc ces nouveaux métiers qui existaient peu il y a 30 ans sont en train de se développer. D'où aussi ma présence ici, parce qu'on a besoin d'attirer, on a besoin d'attirer de plus en plus d'ingénieurs, du génie industriel, d'autres écoles qui nous amènent cette capacité à travailler sur la donnée, sur l'optimisation énergétique, sur ces nouvelles technologies. Et juste avant, deux petits mots sur la blockchain, peut-être Iragel pourra m'expliquer. Ma grosse question, c'est que j'ai l'impression qu'il y a vraiment un manque de standardisation sur ce sujet. Moi, je pensais que ça pouvait être un formidable outil pour nous aider sur la traçabilité, qui est un élément majeur pour un logisticien, pour une entreprise pharmaceutique. Hein. Mais j'ai l'impression que beaucoup d'entreprises créent leurs propres standards, qu'il n'y a pas de standard commun. Donc,
que nous, on en est à des états de pilote avec nos clients, mais beaucoup de nos clients ont un standard différent, ce qui est pour moi quelque part contradictoire avec ce thème de la blockchain. Yael, si tu veux compléter. Je suis pas un spécialiste de la blockchain non plus, donc je pourrais pas vraiment rentrer dans la partie hard et techno de ça. Mais ma vision, c'est que c'est justement un des standards, donc c'est plutôt la finance qui a proposé ce standard-là. Ici, on est sur des questions logistiques, c'est-à-dire que les formats de données vont pas être tout à fait les mêmes. Vous avez des données qui sont, je pense, des données très temporelles, c'est-à-dire qu'on a un besoin, un moment donné d'un produit, donc on a un truc physique qui doit être à un lieu spécial à un moment donné, donc c'est des formatages de données qui sont assez différents, je pense, de ce qui est dans la blockchain. Donc il faudrait une blockchain pour la logistique et le fret, donc c'est peut-être là où les politiques publiques peuvent essayer d'œuvrer pour soutenir des standardisations. Je pense que c'est là une des fonctions que peuvent prendre les politiques publiques sans que ça leur coûte trop non plus, parce que c'est simplement mettre à plat, mettre en fait plusieurs personnes autour d'une table, plusieurs industriels pour essayer de définir un besoin commun. Je pense que c'est là où se fait l'enjeu. Le choix des standards autour de nous sur ces technologies, moi, je le vois essentiellement porté par des grosses entreprises, par les gros acteurs. On a nos systèmes d'exploitation dans nos ordinateurs portables ou dans les fixes, on a la même chose sur nos téléphones maintenant, et on voit que c'est des opérateurs qui sont des chefs d'orchestre de ces technologies. Donc il faut peut-être passer par des acteurs qui sont d'abord très performants sur la partie technique avant d'imaginer de construire un standard. Ce qui est donc l'inverse de ce que j'ai dit précédemment, on est tout à fait d'accord, mais voilà peut-être deux pistes de top-down ou l'inverse, je ne sais pas. Je vais te laisser le micro et je vais te faire changer de casquette parce qu'on est toujours un peu bicéphale dans notre métier. Et maintenant, sur ta casquette, justement, enseignement et notamment sur ta partie en tant que responsable de la filière ingénierie de la chaîne logistique, on a évoqué les changements, l'évolution des compétences demandées aux ingénieurs, notamment comment c'est pris en compte ces grandes évolutions au niveau de génie industriel, notamment dans son programme de formation. Les transformations, ma façon de les présenter, donc je sais pas le on va dire le mot de chaque enseignant, hein, c'est aussi ma transformation des choses. Et puis comme je suis économiste et statisticien, j'ai une espèce de bicéphalité, je sais pas si le mot existe, mais voilà, je fais à la fois du quanti et puis des sciences humaines, donc c'est peut-être un défaut de ma vision. Mais je pense que un des atouts de nos étudiants, c'est d'être à la fois capable de prendre la technique en main et d'être capable surtout de la mettre en œuvre ensuite et de comprendre comment ça s'inscrit dans les supply chains et les organisations humaines. Et quand vous dites que plus de la moitié des problèmes sont ceux de l'humain, je pense qu'aussi c'est plus de la moitié des solutions qui viennent de l'humain. Et donc c'est là où nos étudiants vont être capables de faire justement ce passage-là, cette transformation de la techno standard vers des usages. Et l'ensemble des enseignements qu'on a essayé de mettre en place cette année par la réforme de la maquette de la deuxième année vise justement à identifier soit des technologies qu'on n'avait pas forcément mises en avant dans les maquettes. Elles étaient plus ou moins présentes. L'analyse statistique a toujours été. La question de manipuler des data avec des systèmes d'information, ça a toujours été. On a des enseignements maintenant qui essayent d'être un peu plus transversaux sur comment on va collecter la donnée, la mettre en œuvre, la préparer pour ensuite faire de l'analyse, de la prévision et de la prédiction. Donc on a peut-être des enseignements qui sont un peu plus techniques, mais transversaux dans la technique. Et de l'autre côté, des enseignements qui ont véritablement cette volonté d'être orienté sur la transversalité. Donc sur le premier volet, on voit des enseignements de type management de la data, c'est assez classique, intelligence artificielle, smart analytics, des choses comme ça, ou de la réalité virtuelle, construction de digital twins, des outils qui sont vraiment très ancrés dans de la techno, fabrication additive typiquement aussi. Et à l'inverse, on aura des enseignements qui vont essayer d'avoir une vision transversale de ces technos et de les mettre en œuvre dans les questions sociétales, dans les questions des organisations industrielles. Donc je pense à la transformation digitale des entreprises, l'industrialisation digitale durable, qui vont essayer de mettre l'accent sur comment ces technos deviennent efficaces dans les entreprises. Dans ma traduction, c'est comment les opérateurs s'en servent avant de toute chose. Savoir si en effet ils les acceptent et ils les manipulent, etc. Quelles sont les compétences dont ils ont besoin pour pouvoir le faire. Et on a aussi tous les enjeux de soutenabilité, donc à la fois environnementale, économique et sociale. Comment ces technos vont changer notre monde de travail et aussi notre monde et notre société. Nathanaël, au sein d'HP, quels sont les grands besoins, on va dire, en termes de compétences que vous recherchez actuellement pour évoluer justement avec les situations actuelles? Donc effectivement, voilà, c'est des nouveaux métiers qui n'existaient pas. Donc nous, c'est le terme, c'est data scientist.
Voilà, donc data scientist. Voilà. Mais par contre, effectivement, hein, quand on est jeune diplômé, on arrive avec une compétence technique et c'est ça qui fait la première marche. Donc je prenais l'exemple de data scientist. Maintenant, je suis sur des métiers plus marketing, donc c'est le digital marketing. Voilà, c'est comment je fais du référencement web et comment j'analyse ça. La notion d'automatisation reste aussi au cœur. Mais par contre, effectivement, avant, elle était sur une notion physique dans une usine. J'automatise un processus industriel avec une chaîne d'opérateurs. Maintenant, elle est digitale. Voilà, donc on a un terme, ça s'appelait, je crois, RPA, Robotics Process Automatization. Voilà, en fait, c'est quoi ? C'est juste un ingénieur GI qui maintenant fait des workflows et va, entre des interfaces de différents systèmes, essayer de réoptimiser comment des systèmes se parlent. Quoi. Donc voilà, pour revenir sur GI, moi, je n'ai pas du tout d'inquiétude sur le futur de l'école. Non, parce qu'à la fin, une fois qu'on a fait cette première marche où on va rechercher chez un jeune diplômé une compétence technique, ça dure 2 ans. Après, ce qui va faire la différence, c'est la notion d'intégration. Et c'est là où les soft skills, curiosité, observation, adaptabilité vont faire toute la différence. Quoi. Et je pense que c'est ce que fait GI dans son enseignement. Merci. Y a un point qu'on pouvait ne pas aborder, hein, qui est le point de la transition environnementale. Et c'est un point qui occupe beaucoup les chercheurs et qui intéresse énormément les étudiants grenoblois, hein, qui, je le rappelle, étaient organisateurs de la COP2 étudiante il y a encore quelques mois seulement. Donc pour eux, c'est vraiment une question majeure. Surtout que, ben, comme le disait Stéphane, hein, les transports et l'industrie sont beaucoup pointés du doigt comme des institutions émettant du carbone. Donc, Nathanaël, vous, votre société doit nécessairement prendre en jeu ces questions-là. Surtout quand on voit le nouveau programme France 2030, hein, qui annonce clairement des objectifs de mieux produire, hein, dans la globalité en termes de processus de transformation, hein, comme on dit des fois, c'est-à-dire ce qui se passe dans les usines, mais aussi sur toute la partie transport et mobilité. Donc comment vous intégrez ça dans vos processus chez HP ? Donc effectivement, pour une entreprise, cette notion d'environnement est un impératif où en fait, il n'y a pas de débat. Voilà. Il n'y a pas de débat pour 2 raisons. D'une part, parce que les clients évoluent et c'est un critère. Donc une entreprise qui n'a pas de but philanthropique, mais uniquement capitalistique, va forcément suivre son client. Donc déjà, sur cet axe-là, il n'y a aucune ambiguïté. Et puis, l'entreprise est aussi un acteur citoyen. Donc justement, ce n'est pas qu'un acteur capitalistique. C'est un acteur citoyen qui a une image de marque et qui, elle aussi, veut essayer de contribuer au monde. Donc après, en fonction de l'histoire de l'entreprise, de ce qu'est la DNA de l'entreprise, ça se fait de différentes manières. Mais aujourd'hui, c'est un incontournable. Et effectivement, dans beaucoup de secteurs, la supply chain est un des plus grands postes de consommation énergétique ou d'émissions de CO2. Après, ce n'est pas forcément l'unique poste. Donc, si par exemple, c'est intéressant, si on regarde à HP sur la partie PC et qu'on fait l'analyse de l'émission de CO2, nous, on contribue parce qu'on a des usines avec nos sous-traitants, parce qu'on a du transport. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, la consommation de CO2, elle est très en aval et très en amont. Elle est très en aval parce qu'en fait, le poids du CO2 est plus sur l'usage du produit que sur la fabrication du produit. C'est sur les impressions, j'imprime du papier. Voilà. Sur l'ordinateur, nos ordinateurs, on ne les éteint pas. Voilà, donc ça, c'est la consommation. Et puis après, nous, c'est le composant électronique que nous, qu'on ne fabrique pas, mais qui vient dans nos PC. Donc c'est la batterie, c'est les microprocesseurs. Donc ça veut dire que nous, notre chaîne environnementale, nous, on a directement un levier. Donc on va déjà essayer de le faire. Mais la question, c'est que nos leviers, ils sont très loin devant ou très loin derrière. Donc maintenant, c'est comment on va étendre notre influence pour pouvoir travailler, non pas avec les fournisseurs, mais les fournisseurs des fournisseurs des fournisseurs, justement, pour pouvoir avoir quelque chose en termes de réduction environnementale, ou avec nos clients. Voilà, et c'est là où il y a des choses qui sont à la fois très pragmatiques, mais qui sont très utiles. Donc je prends l'exemple l'impression du papier, puisque finalement, notre cœur de métier sur les imprimantes, c'est d'imprimer du papier. Donc, je ne vais pas dire... Mais par contre, moi, en tant qu'acteur économique, je peux décider que dans mon coût de produit, je vais facturer l'usage.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses, on ne paye pas la vraie valeur des choses de façon environnementale. Donc maintenant, je décide dans mon imprimante de donner un coût qui est 1 euro et ça va me permettre d'offsetter l'empreinte carbone de l'impression. Et ces 1 euro, je ne les mets pas dans ma caisse. Ces 1 euro, je vais les donner à une association qui va offsetter l'empreinte carbone. Voilà, donc ça, c'est une approche très marketing, quoi. Et je prends l'exemple aussi des PC, de dire que voilà, dans le cycle de vie du PC, comment je vais m'assurer qu'une fois que le PC, le client ne l'utilise plus, je vais le récupérer proprement, je vais le désosser proprement, et ce composant électronique qui, au début de ma chaîne, me pose un problème énorme, je vais le recycler au maximum pour le réinjecter dans la fabrication du composant électronique. Donc des métaux rares, le manganèse ou le cadmium ou des choses comme ça, c'est comment moi je fabrique avec mes fournisseurs quelque chose qui récupère un PC et qui va recycler le composant. Donc cette notion de durabilité, de circulaire économie sont des choses extrêmement fortes pour nous. Ouais, justement, je vais un peu rebondir puisque sur ce point-là, puisque effectivement, au niveau de la recherche, ça fait longtemps qu'on parle de... On parlait de green supply chain, on parle de reverse logistique, on parle maintenant de circular supply chain. Une des grandes difficultés qui est montrée du doigt, c'est le nombre d'acteurs qui interviennent encore à ce niveau-là. Une incertitude et une variabilité très forte, notamment sur la qualité des produits en retour, l'information sur le flux des produits qui vont revenir. On ne sait pas quand un ordinateur arrive en fin de vie. Finalement, on ne maîtrise pas quand est-ce que l'utilisateur va le ramener, dans quel état sera le PC, donc qu'est-ce qui pourra être utilisé, à quel niveau on va devoir... décomposer le produit, je dirais, est-ce qu'on aura besoin d'aller chercher la matière première, donc le cadmium et les métaux, ou est-ce qu'on va pouvoir réutiliser des éléments complets? Comment HP se positionne, par exemple, sur un tel process de retour? Est-ce qu'il est acteur? Est-ce qu'il participe au niveau de la conception du produit pour que ce soit possible? Ou est-ce que vraiment, c'est lui qui va être en charge de récupérer le PC chez l'utilisateur? On n'en est pas encore là. Donc, non, on travaille avec nos sous-traitants, mais effectivement, c'est aujourd'hui des enjeux sur lesquels on travaille. Donc, effectivement, on va dire qu'il y a une première supply chain qui est la chaîne primaire qui va amener le produit pour le client. Il y a une deuxième supply chain qui, celle-ci, est la chaîne du support, qui déjà remet un enjeu de complexité. C'est comment, une fois que mon produit a un problème, je m'assure d'amener le composant pour le réparer. Et maintenant, il y a ce troisième niveau qui est de dire c'est le retour, mais le retour, c'est pas juste je récupère chez le client, c'est comment je vais faire le recyclage de mon produit. Et après, ça dépend complètement des industries, mais effectivement aujourd'hui c'est sur lesquelles et par exemple sur la partie marketing sur laquelle je suis actuellement avec nos clients, on a un service qui est justement un service de réutilisation du PC, c'est-à-dire que quand un client dit je veux un PC qui a une durée de vie de 3 ans, au bout de 3 ans, la machine, elle marche encore. Donc, ça veut dire que la première étape, c'est comment je vais, avec mon client, récupérer physiquement cette machine. Financièrement, comment je vais révaloriser cette machine en disant au client, voilà, elle a 20% de sa valeur, donc je lui donne de l'argent. Et ça va faire un cercle vertueux, puisque lui, il a un intérêt à m'aider à recycler. Et puis après, comment je travaille avec un sous-traitant qui va me certifier que le recyclage est écologique, pour que ce ne soit pas après dans une décharge. Et puis après, on refait partir ça dans la chaîne. Voilà, donc aujourd'hui, c'est vraiment des enjeux sur lesquels nous sommes vraiment en train de travailler. Merci. Martha, je pense que c'est aussi un des enjeux pour Biomérieux d'intégrer tout cet environnement. Oui, effectivement, et j'ai rejoint Nathanaël sur la deuxième vie, entre guillemets, des produits. Nous, effectivement, on fabrique des machines pour faire du diagnostic, donc des équipements pour faire du diagnostic, et on voit de plus en plus le fait que on a un marché de produits d'occasion, si on peut dire comme ça, mais des produits qui ont déjà eu une première vie. Il y a pas, on habite en fait dans un monde où il y a énormément de contraintes financières par rapport à la santé malgré tout, et on s'est bien rendu compte que des fois il faut pas non plus trop couper ce type de budget. Mais bon, c'est pas le débat aujourd'hui. Mais effectivement, tous nos hôpitaux, tous nos centres de santé sont
très conscient du fait qu'il y a des frais qui sont engagés. Et du coup, on s'est rendu compte déjà il y a quelques années, mais ça commence à prendre de plus en plus d'importance, du fait qu'il n'y a pas tout le monde qui peut se payer ou qui peut s'offrir un équipement nouveau. Et que du coup, on a tout intérêt aussi à travailler, effectivement, comme l'expliquait Nathanaël, avec nos clients, sur une deuxième vie de ces équipements. Parce que les besoins... en termes de temps, des réponses, par exemple, donc quand on fait un diagnostic, quand on parle des maladies graves, ben, les temps de réponse est très important, et c'est toujours très important. Mais pour certaines maladies, on peut se permettre de donner un diagnostic sur un jour. Sur d'autres, il faut vraiment avoir un type de diagnostic qui soit le plus rapide possible, parce que la maladie vraiment peut avoir des conséquences très graves sur les patients. Du coup, cette deuxième vie qu'on essaie de donner à nos équipements est quelque chose qui se travaille de plus en plus chez Biomérieux. On essaie aujourd'hui, on appelle ça des refurbishing, donc de rafraîchir, de remettre à niveau les équipements afin de pouvoir proposer aussi ces équipements à d'autres clients. Et bien entendu aussi, et j'en parlais tout au début, les clients, à un moment donné, quand ils veulent changer d'équipement parce qu'ils veulent augmenter la capacité, parce qu'ils veulent passer à une nouvelle technologie, on nous dit, bah, très bien, maintenant j'ai cet équipement, si vous voulez que je vous en achète à nouveau, bah, vous devez prendre en charge celui-là que j'ai. Et effectivement, on travaille avec des partenaires pour s'assurer, comme on le disait, que l'équipement ne finit pas dans une décharge, mais qu'on a une deuxième... Soit on peut lui donner une deuxième vie, soit on peut le désosser, l'utiliser ou le recycler dans les règles de l'art pour que ça, au niveau de l'environnement, ça a un impact le moindre possible. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose qui prend de plus d'importance aussi par rapport à... On essaie de regrouper les commandes pour, comme on disait Stéphane, pour essayer d'être moins sur la route, d'être plus efficace. Donc c'est gagnant pour nous parce qu'effectivement, les coûts de mettre ensemble une commande plus grande est moindre que des piquets vraiment des toutes petites quantités, mais aussi parce que les clients finalement se retrouvent avec moins de packaging, avec une seule gestion d'une commande par semaine qui est beaucoup plus simple aussi pour lui. Donc je pense que finalement, cette importance qu'on donne à l'environnement marque la totalité de nos process. Et c'est pas que les recyclages, c'est aussi la manière dont on consomme, nous, nos clients, parce que finalement on est tous clients. Donc c'est vraiment... au cœur aussi des préoccupations, mais dans toutes les étapes de tous les processus de l'entreprise. Merci. Stéphane, un petit point sur justement, vous avez déjà parlé des activités de FM Logistique, hein, notamment en termes de logistique urbaine et d'intégration de votre logistique dans un réseau de mobilité plus global au niveau des villes. Et par rapport à ces flux de retour, cette reverse logistique, est-ce que FM est positionné actuellement et quels sont les enjeux pour la société ? La reverse logistique est effectivement un process compliqué et de manière générale, quand on parle du e-commerce, de la livraison du dernier kilomètre. Ces notions à nouveau de massification et que ce soit pour la livraison ou le retour, hein, sont massification, optimisation sont clés. Et en particulier rapprocher les entrepôts des consommateurs. Je parlais tout à l'heure de ces petits entrepôts périurbains à côté des consommateurs. Sur le transport, il y aura une évolution dans les années à venir de avec l'électricité, avec l'hydrogène, de l'énergie. Alors, ça sera plus rapide pour la livraison urbaine, ça sera beaucoup plus long pour le transport longue distance, où pour le moment, il n'y a pas de technologie mature. Et où, à nouveau, c'est ce que disait Martha, la première chose à faire, c'est l'optimisation, remplir les camions, rapprocher les entrepôts des consommateurs. Il y a plus de 15%, je crois, en Europe, des camions qui roulent à vide, ce qui est un non-sens économique et un non-sens écologique. Un élément aussi parallèle qui est en train de se développer sur la livraison, sur les produits alimentaires, c'est le vrac. Hein. Il y a une nouvelle loi qui vient d'être votée.
ce qui rend aussi plus complexe pour nous, mais nous, on travaille avec des industriels et des grands distributeurs pour préparer cette logistique du vrac, parce que l'emballage, hein, tout ce qui est emballage en logistique, la suppression du plastique, l'optimisation des cartons, hein, et à nouveau sur le e-commerce, vous avez déjà peut-être reçu des produits avec un emballage trois fois trop grand. Donc, travailler là-dessus aussi, à nouveau, on parle d'optimisation, permet de réduire fortement la partie emballage. Et donc l'empreinte carbone de la supply chain. Okay. Merci, merci Stéphane, merci Martha, merci Nathanaël, merci Iragaël pour toutes ces discussions et sur cette participation à ce webinaire sur la logistique du futur, hein, dont vos organisations et vous-même êtes des acteurs clés. Encore une fois, on se retrouvera dans un prochain webinaire Back to GI. Le prochain sera sur un des thèmes forts, hein, dont on a parlé un petit peu ici, sur l'importance de l'homme dans l'industrie. Et donc, encore merci à tous et je vous dis au revoir. Merci Fabien.